Bonsoir tout le monde sur le stream et bonjour à tous sur YouTube. Comment vous allez bien? Bah, vous savez quelle heure il est? C'est l'heure de la Guild War. Et nous affrontons aujourd'hui Will Family. Pour l'instant, nous avons assez l'avantage, mais c'est pas loin. Si vous remarquez, au niveau la différence des points n'est pas énormissime. Je trouve que la défense que j'ai vue hein, à gauche et à droite, c'est plutôt pas mal. C'est assez solide. Même si on a réussi, honnêtement, je suis assez fier de mon équipe sur ce coup-là. Il y a eu un propre nettoyage de la tour du top. Alors que pourtant, il y a quand même ça qui est très très chiant à affronter. Hein. La fameuse violet Assassin Cartuja avec Momo, très 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 chiant à jouer contre. Et moi, de mon côté, je me suis fait attaquer une fois. Ma première défense a fonctionné. Je suis content. Je voudrais vraiment qu'il y ait le replay pour savoir comment ma deuxième défense s'est débrouillée. Et savoir qu'est-ce que je pourrais changer. De toute manière, je crois que ma deuxième défense, je vais la changer. Je vais essayer avec la même équipe. Sauf que je vais remplacer Ruel par Lilias. C'est une compo contre laquelle j'avais perdu déjà. Et que j'ai failli reperdre. Hein. J'ai failli reperdre, ça s'est joué à rien du tout. Et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. J'ai envie de voir comment les gens le gèrent. Et puis peut-être que ce sera solide. Voilà. En tout cas, j'ai déjà préparé ma team. On va attaquer ce mec qui a un joli flag qui indique qu'il est quand même un gros joueur d'arène. Et on va aller l'affronter. La team est déjà prête. Donc, on discutait pendant un bon petit moment avec le chat. Je leur demandais, écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait? Je sors Dark Orbus pour en haut. Parce que Dark Orbus, pour la team duo, c'est normalement une win assurée sans trop de problèmes. Il n'y a pas véritablement de danger en mettant Dark Orbus. C'est juste que le combat va durer 2 heures. La team du bas, là c'est là qu'on va rigoler. Donc on a déjà des infos vu qu'on a j'ai des très très bons scooters. D'ailleurs, petit shout out à ma guild Unskilled qui recrute en ce moment. Nous recherchons des joueurs HL pour rejoindre la guild. Et qui a commencé à faire un gros effort sur les rapports et ça me fait extrêmement plaisir. Donc shout out à ma skill Unskilled, à ma guild Unskilled. Waouh! Donc, la team du bot, je sais que c'est une turbo Dizzy. À ce moment, si c'est une turbo, j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre parce que j'ai Izaria et Tama qui sont sous immune. Tranquille. Mais le Charles est très tanky. Le Charles a 19k HP et il est sous immunité. Or, dernièrement, j'ai un sort de malédiction avec Izaria qui n'arrive plus à faire son boulot. Elle n'arrive plus à faire son boulot de dispeller, de débuffer. Donc, il se peut que la deuxième team... Bah ça part en couille. Ça peut que la deuxième team parte totalement en couille. Qu'elle rate son S3 et que résultat des courses, bah on se fait complètement retourner. Donc c'est pour ça que je réfléchis. Est-ce qu'on tente le diable et qu'on essaye de one-shotter le Charles alors qu'il est sous immune? Parce qu'il est tanky et sous immune. Ou on joue safe. On one-shot Dizzy. On va en discuter quand on y sera. En tout cas pour la team du top, on va y aller sans Dark Orbus, mais le combat risque quand même d'être long parce que la Angelica est tanky. Très très tanky la Angelica, mais au niveau du speed, est-ce qu'il m'avait dit... Elle est rapide Kira? Je me rappelle plus. Attends, speed Angelica d'en face. Elle est en dessous des 170. Puis Ken... Attends, je comprends pas. Bon, si elle a beaucoup d'HP et qu'elle est rapide. Ok, si elle est en dessous, ça va. On pourra normalement outspin. Donc, on va y aller comme ça. Juste refaire un petit tour des artefacts parce que je suis un gros poltron. On va tenter un truc avec Izaria Tama. En espérant que ça passe. Ok, c'est bon. Ok. Elle est au-dessus. Elle est rapide. Fuck. Ouais, elle est rapide. Donc on va juste attaquer ça à la limite. D'accord. Donc ici, le but, on va juste attaquer comme un idiot. Izaria. Qu'est-ce que je dis Izaria? On va juste attaquer
Angelica comme un idiot. Full résiste. Il n'a pas assez d'efficacité, on dirait. Vansika quand même le Ken, hein. Il rigole zéro. On va quand même un tout petit peu hein, utiliser des CD parce que si... Bah j'ai besoin des souls. À un moment je vais vouloir soul burn avec... Alors on va essayer déjà maintenant, vu que tout le monde a perdu son immunité. J'espère réussir à mettre l'anti-heal et l'anti-buff sur... Angelica. Pas de miss, on est bien... Et parfait. Tout a été mis. Est-ce qu'on a le droit même au death break? Allez, death break. Parfait. Hey, on est dans une bonne situation. Il suffit juste que maintenant elle taunt aussi. Taunt. Dommage. Voilà, par contre, elle va pouvoir se healer, mais... Le heal va rentrer dans l'anti-heal. Donc on s'en fout royalement. Regardez. Hop là. Et bim. Hey. Vous savez quoi, on va avoir le droit? Oh non. Ah si. On va avoir le droit. J'espère. J'espère qu'elle va réussir à jouer. On va avoir le droit peut-être à un home run. On va avoir le droit à un home run. Ah non. 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 Oh. Non. Non. Tout était parfait. Le home run était là. Non. Le home run était là. Pourquoi? Ah non. Ah, je suis un homme déçu. Ah non, le home run était là. Je suis tellement triste. Endors. Parfait. On peut pas le one shot. Dommage. On peut pas encore le... C'est vrai qu'on peut peut-être le home run là, mais on... ce sera un home run miss malheureusement. Bon, de toute manière, on va faire ça. Est-ce qu'on peut home run peut-être Ken? Hein? Attendez, attendez, attendez. Allez. Non, 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 non! C'est un complot! C'est un coup monté! C'est pas possible! T'es de foutre ma gueule! C'est un coup monté. Je m'en fous. Je soulburn ça. Fuck that shit. Allez hop. Je soulburn. Je peux pas soulburn. Allez, prends ça. Ah, c'est pas grave. Non mais... Ils se sont fait avec un PV. Mon dieu. Non, putain. Oh là là. Alors ici maintenant, on va discuter un tout petit peu ensemble, les gars. C'est... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on tente... Le gros tuer Charles? Charles, ça m'étonnerait qu'on le tue quand même, il a quand même 19k HP. Mais le truc c'est que si il résiste, on est dans la merde. Donc on va quand même y aller parce que de toute manière c'est le meilleur plan. La Diane a 18k HP. Allez. S'il te plaît. Full Rési. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter qu'il était full Rési. Bon, maintenant, on va jouer serré. On va jouer très serré. Oh.
powerful being. Death is your repentance. C'est pas impossible. Hein. Hop là. On le tue. On le tue pas. C'est pas grave. Mais on le termine. Ça s'est pas totalement passé comme prévu, mais ça s'est quand même. Mais quand même, c'est une victoire du joueur suisse. Hein. Est-ce qu'on rebuffe attaque ici? On va rebuffer attaquer. Parce qu'en même temps, ça va me permettre aussi de. Hop. On n'a pas réussi à tuer. On va soul burn et mettre le death break sur elle. Merci. Et on va terminer. Voilà. Ok. Ça s'est pas passé comme prévu, mais à la fin, le truc qui a été game changer, c'est Magaratom. Le Magaratom sur ta marine. Lui, par contre, il a fonctionné comme prévu. Lui, il a fonctionné comme prévu, le Magaratom. J'ai pu jouer avant que le Charles ne joue avec Isaria et Tamarine en même temps. Donc ça c'est fait. On va aller préparer les deux prochains fights. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, re tout le monde, deuxième match. On a zéro info sur ce coup-là. La team d'en haut me fait un tout petit peu peur. Mais on va utiliser Dark Corvus pour essayer de tuer ça. Et en même temps on va rajouter Crow. Avec le buff de défense pour nous protéger. Et potentiellement aider à S3 aussi la team en face. J'ai pas trop peur pour Momo au niveau de la résie. Donc je crains pas qu'il se prenne un break death. C'est surtout Crow qui risque de prendre peut-être certainement des dégâts de la part de Violet. Mais vu que Violet je vais l'ignorer. S'il est sous Moonlight Dreamblade, je prendrai 0 dégâts. Enfin, il n'y aura pas de buff de death jusqu'au moment où je décide de enfin le S3. Mon full focus, ça va être sur Bello et sur FCC. Si FCC, je vois qu'elle est sous Elbris, je pense que je vais juste taper CC tout le temps pour que son bouclier va sur elle. Et comme ça, je peux full dégâts très facilement Violet ou SSB. Et pour la team en bas, bah, ça va être Isaria Tamarine. En espérant qu'elle ne soit pas sous counter et la one-shotter. Parce que là, je vis dangereusement là. Honnêtement, je vis très dangereusement. On va croiser les doigts. Allez, c'est parti. C'est la première team quand même qui fait très peur. Normalement, j'aurais voulu utiliser Dien à la place de Crow pour avoir double heal. Mais là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai pas besoin de healer, mais j'ai pas envie non plus d'attaquer pour augmenter son truc ici. Bah, je crois qu'on a pas le choix, on va quand même le faire. Hein. Bon, on va attaquer elle. Ouh, dual attaque. Stunt, magnifique. Oula, 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 oula. Et commencez pas là. Commence pas non plus. Hein. Donc on va continuer à l'attaquer elle. On va mettre le buff de défense. Let's go. Là c'est Crow qui va prendre les dégâts. Est-ce qu'il me fait peur? C'est qu'il y a des chances qu'il y ait un break death de la part de SSB. S'il te plaît, résiste Crow. Résiste Crow, résiste Crow. Et on va perdre Crow. Tiens bon. Ok, il tank. Il tank, mais il a extrêmement mal. J'ai obligé de faire ça. Le heal sera pas là, par contre. Il avait combien de vie, le violet? Je peux pas S3, c'est horrible. On va perdre Crow. Ouais, Crow est mort, on a perdu. À part si on arrive à taunter, sois un héros! Magnifique! Non, le. La dual attack! Le sauvetage raté! Le sauvetage était là, mais. Il y a eu trahison en plein milieu!
Le sauvetage était là, mais la trahison était là aussi. Oh, quel dommage. Oh mon dieu. On avait réussi à sauver le truc. Par contre, là, j'ai Momo qui a mal. Ok, ok. Tiens bon, Momo. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On tient bon maintenant. Maintenant, on va full attaquer elle. Parfait. On a perdu Crow, c'est pas trop grave. De toute manière, généralement, je joue pas souvent. Hein? C'est pas un perso que je joue très très souvent, Crow. Crit, tant qu'il n'y a pas de break death, ça me va. Ah putain. Ça me fait chier là qu'il n'y ait pas eu le... Est-ce qu'elle a son S3 déjà? On va prendre cher. Mais normalement, on pourrait normalement S3. Est-ce qu'on peut déjà S3? Est-ce que je peux S3 là-dessus? Elle avait combien de vie, la SSB, vous vous souvenez? Je ne sais pas si je peux terminer SSB, mais là, j'ai pas trop le choix. 10K? Ok, c'est faisable. Let's go! Merci beaucoup, Yuchi. De toute manière, j'avais pas le choix. Merci beaucoup, les gars, dans le chat. Je suis pas assez attentif sur ces trucs-là. Mais on a gagné. On a gagné. C'est dommage. Putain, on était revenus. On aurait pu sauver Crow s'il avait pas décidé de se auto-saboter. Oh là là. Crow, pourquoi t'as fait ça? $22,000 Ceci. Merci. Là, je vais pas y aller parce que comme je vois que Ceci, il arrête pas de focusser. N'importe quoi. Attends, rendors là. Ah, dommage. Ça va être rigolo. J'avais pas le soul burn, donc j'avais pas le choix. T'es obligé d'attendre. Et c'était rigolo à regarder. Voilà, dodo. Et on a terminé. C'était serré. C'était très très serré. Je pense que ça serait mieux déroulé si j'avais eu un autre healer. Si j'avais pris Dien. C'est surtout le break death en fait. Ok. Donc là on arrive au moment très très dangereux. Mais... Oh merde, j'ai oublié de regarder les stats. Attendez, vite fait. On regarde ça. Voilà, comme ça ce sera pour le rapport. Ne me troll pas. Ok, dev break. La dev break est là, mais la target n'est pas là. Donc, hein. C'est parti. Si elle me counter et qu'elle me stun, je pleure. Bon, de toute manière. Bon. D'un certain côté, même si elle avait réussi à me stunner, c'est pas grave, elle serait morte. Maintenant, la vraie question, c'est ici. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va soul burn sur elle. Un soul burn sur Momo. Hop, Dizzy va mourir. Toute seule. Momo a très mal. Et maintenant, ça va être un combat, on va full focus Momo. Un full focus Momo. Mais là je m'en fais pas. On a quand même 2 DPS. 2 TPS terre. Oh, elle a pas beaucoup de vie là. Elle a pas beaucoup de vie, notre très chère Sermine. Il suffit qu'il y ait une petite dual attaque de la part de Baikon.
Là, ce qui me fait le plus peur, c'est que vu que j'ai pas... comment elle s'appelle? J'ai pas via le poisson, c'est que je me fasse endormir. Ça, ça me fait peur. Que je me fasse contrôler. Bien ce qu'un moment. Merci. Et voilà, c'est fini. En même temps, il y a une viol attaque. Fin de l'histoire. Hop, on reset. Non! Tiens, Nido. Ok, attends, on avait besoin ou pas? Je crois qu'on n'avait pas besoin de reset Tama. Ah, 17k c'est Armin. Merci beaucoup les gars dans le chat pour le coup de main. Je crois qu'elle avait pas besoin. Ouais. Bon, moi elle a pu reset maintenant, donc ça va. Ici, où est-ce qu'on en est avec elle? Bah parfait, on va faire directement une dual attaque. Comme ça elle a S2, S3. Bing bing. C'est pas grave, on s'en moque du taunt. Ah. Bon là on va directement sous burn. Hop là. Et voilà. Donc ça c'est un fight que je vais devoir faire un rapport dessus, mais on va directement enchaîner sur le troisième fight. On va d'abord aller chercher en fait s'il y a un troisième fight. J'ai pas prévu de troisième fight. Alors, on va aller en chercher un, donc je vous dis à dans un instant. Troisième team. On va un tout petit peu YOLO pour se faire plaisir. On va voir. La team duo, c'est notre traditionnel Dark Corvus, parce que de toute manière, il n'y a pas gros danger là-haut. La team du bas, j'ai Lilias que j'ai build un tout petit peu, que j'ai envie de jouer. Et là, c'est une belle opportunité de l'utiliser. Et on va aussi utiliser Ken. Et voir comment ça se déroule. Peut-être que Ken, à lui tout seul, pourra réussir à carrer au niveau des dégâts. On va voir. Je suis pas très confiant. Hein. Je pars un petit peu en mode suicide sur la team 2 parce qu'on n'a pas d'infos dessus. Non, j'aurais peut-être dû regarder un petit peu juste ici. Est-ce que j'ai le temps de regarder? Non, fuck, j'ai pas le temps. Voilà. Bon, le Ken, il est lent. Donc gentiment, on va le taper. Hop là, hop là. Non, comment... C'est pas toi qui dois crit. C'est... Ils me font rigoler. Mes héros me font déconner. Bah en fait, on a deux personnes déjà qui ont scouté. Mais l'un est allé dormir. La personne qui pouvait me répondre est allée dormir malheureusement. Donc c'est un peu problématique au bout d'un moment. Donc qu'est-ce qu'elle a comme artefact toi? Hop là, je tapais lui l'Aureus, ce qui est bien à savoir. On va garder Ken en vie. Parce qu'on veut qu'il counter, mais il veut pas counter lui. 21k. D'accord. 21k, 20k. Ouh. Ken très tranquille. Très très tranquille Ken. Paf. Ah, combien de vie là, Angelica? 19k. C'est bon, les duels attaquent là? Je vous gêne pas? Bing bing. Ah, taunt. Merci. Quelqu'un a noté le nombre de duels attaques que j'ai pris dans les figures là? Parce que j'aimerais bien avoir un topo des scores. Je suis en train de rigoler là. C'est un truc de fou. Voilà, merci. On peut en parler juste un instant de ça? Ou pas? Hein? À quel point c'est rigged? Honnêtement. C'est pas hallucinant? Le nombre de duels attaques que j'ai pris? Un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade le nombre de duels attaques que j'ai pris. Bon, par contre, je vais one-shotter Crow. Je vais directement mettre ça parce que je veux éviter les taunts, etc., etc. Et merci beaucoup, Yuki, pour ton raid. On va taper dans le Crow. Et on va le tuer. Parce que comme ça, il n'y a pas d'histoire de Aureus et tout le tralala. J'ai trop l'impression qu'ils sont build en unité, hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un truc affolant. Hein.
On va continuer alors à cycler les spells parce que de toute manière, bien entendu, ça donne des souls. Voilà, soul burn, that shit, we are going. Bif bif paf pouf. Le crow, il est à terre. J'ai eu un tout petit peu peur quand même. J'ai eu un tout petit peu peur d'un coup là. Pas besoin de mettre le shield. Ah, candlestick. Oh. J'avoue qu'à des moments je me dis, quand une Angelica 20k HP candlestick, putain comme ça doit être cancer. Allez, Ken. Yes, merci. Non. Eh bien. Vous êtes tous passé le mot. Vous êtes passé le mot. C'est pas possible là. Dark Orvus qui fait le move ultime et réussit enfin le crit. Et t'as Angelica qui stun derrière. La game d'avant, c'est pareil. Dark Orvus fait le move de fou, il tunte le violet au travers de la pomme pour sauver Crow, mais t'as Crow qui vient en mode eh non, c'est pas grave, je vais quand même me suicider, bro. Vous foutez royalement de moi. C'est un coup monté. C'est une parodie. Ah voilà, merci. Tac tac. Merci. Voilà, c'est parfait. On a enfin. Allez, tape, centre, tape dessus. Moi, je vais pas healer. J'allais vous dire si elle stun. Bon, par contre, j'ai un truc qui me pose un petit peu problème. C'est. Si on tue Ken. Après, ça va nous prendre 2 ans pour tuer. Ça va nous prendre 2 ans pour tuer Angelica. Donc, je me dis peut-être tuer Angelica en premier. Je sais pas, vous en pensez quoi. Après, le Ken, il pourrait peut-être nous tuer derrière. Peut-être lui qui peut nous tuer après. Non, je crois qu'on peut encaisser Ken. Vous êtes prêts à voir Ken me soloter? Let's go. Est-ce que ML Ken va me soloter? 0,1% de chance qu'il tue quelqu'un. La confiance est là. Le timing pour le break def, il était pas très bon par contre là. Bon après, ce qui est bien, c'est que déjà la moitié du temps, t'as mes healers qui vont cycle leur. leur sort. Voilà. Jamais de la vie, il carry. Ok. C'est bien. Et en plus, on l'a tenté. Ne. S'il te plaît, ne stun pas. Merci. Ok. On est bien. Bing bing. Crit. Ah dommage, on a counter quand même. Bing bing. Merci. Je suis assez content de ma Djen. Parce que ma Djen, généralement, elle a des crits, elle crit tout le temps. Bon bah en fait, ça s'est bien déroulé. Bon, on va juste faire ça. Voilà. On va pas lancer le S3 parce que l'animation est longue. Et adieu Ken. Et maintenant, on est parti pour le gros combat. Le gros combat très 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 RNG. J'ai très 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 plus confiance en moi. C'est possible qu'on perde. Mais on va essayer d'être extrêmement attentif sur les stats. C'est parti. Donc Bazar a joué en premier, il est sur Targaryen. Ok, ça a l'air d'être une counter Dizzy. Ok, je me fais push back. Mais. Dika Bazar, merci. On va mettre immunité sur elle. Et on va taunter Bazar. Voilà. On taunte Bazar. Combien de vie? 14k HP. J'ai
J'ai pas vu de proc d'artefact. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Elle a passé le taunt. T'es sérieux? Et vous m'expliquez aussi le break def? La RNG. La RNG qui a passé un break def. Oh toi tu vas mourir pour ça. Tue-le. Parfait. On perd le break def. Magnifique Emelken. Ah quand même, la RNG, et c'est vraiment. La RNG c'est royalement foutu de ma gueule hein. Si vous avez vu hein. Déjà, il a réussi à toucher Lilias. Et en plus de ça, il réussit à mettre un foutu break def. C'est affolant. Bah je crois qu'on est bien hein. Emelken a fait son taf. Mais en fait surtout, la... Ce n'était pas une turbo, Dizzy. Je sais pas ce que c'était. Si c'était... S'il était counter, le counter il a pas fonctionné. Mais je pense qu'en counter, elle aurait été deux fois plus dangereuse. Enfin, je veux dire en counter. En mode turbo. Une turbo Dizzy aurait été plus dangereuse que ça. Est-ce qu'on peut essayer de la taunter? Non, on va pas essayer de la taunter parce qu'elle va taper sur Ken. Non, Syrah Rain ne peut pas break. C'est juste qu'en fait, comment il s'appelle? Ball a des chances sur son auto-attaque de mettre une random. Il a une chance de mettre un random. comment on appelle ça? On va attendre. Il a une chance de mettre un random debuff. Par contre, elle est sous Sigurd. Ça va être chiant ça. Oui, sur son S1, il a une chance de mettre un random debuff. Voilà. On va attendre que Ken puisse mettre le break def. J'ai cru qu'elle avait proqué le counter, j'ai halluciné. Dès que Ken pourra mettre son break def. Troisième fois que c'est... Ok, bon elle a endormi. Honnêtement, troisième fois que c'est une dual attaque avec, avec Momo, ça commence vraiment à devenir un peu lourd. Quatrième fois. Je voudrais à la limite que Momo meure, honnêtement, à ce niveau-là. Il n'a pas réussi à mettre le break def. C'est pas grave. Hunter. Si on avait réussi le break def, là on aurait eu un nettement meilleur combat là. Mais. Voilà, il faut commencer à avoir des dual attaques avec la bonne personne là. Elle a pas crit. Il a crit. Allez avec Ken. Arrête. C'est bien. Arbitre, c'est au moins peut-être la sixième fois. Ça n'a aucun sens. Peut-être la sixième fois qu'il fait ça. C'est affolant. La sixième fois. Alors que si ces six fois étaient sur Ken, le combat aurait déjà été terminé. Voilà qu'elle réussisse à mettre un petit crit sur Ken là. Ah merde, elle va attaquer là.
Ah, elle va attaquer Ken. Bon, ça descend, ça descend. Mais c'est juste que c'est chiant, quoi. Voilà, voilà, voilà. Il est dû à l'attaque. Encore, encore. Ok, il y a les counters. Il faut le break def là. Allez, Bombo, break def. Résiste en plus. On va jamais gagner. Oula, 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 ça c'est bon ça. Ça c'est une bonne. Ou sinon là il faudrait un slip. Voilà. (rire) 22-33 sur ta main, waouh. Ok, là je vais juste lancer un heal ici. Comme ça, Moumou n'attaque pas. Allez, I can. Yes, 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 yes. Crit. Si tu crit sur Ken, c'est foutu. Non, counter Ken. C'est la dèche, les gars. Le coup du Sigur Sight, il est énormissime. Non, pas avec elle. C'est quand même affolant que ce soit toujours avec Momo. Crit. Counter, ça va. Oh, le Ken là. Là, ça, là le Ken il a fait mal là. Attendez. Y'a moyen. Y'a moyen de terminer là. Ah, la dual attack, t'es sérieux. S'il te plaît, avec Ken. C'est affolant. Hein, c'est affolant. Hein. C'est vraiment affolant. Hein. Y a pas d'autre mot que ça. Hein. Le moment où on pouvait la tuer, le jeu me troll. Ah, Ken. Elle rend fou, Ravi, elle rend fou. Mais c'est pour ça que j'avais un petit peu peur de prendre cette équipe-là. Mais on peut gagner si... Voilà, si on a les duels attaques avec la bonne personne. Voilà, un bon crit. Allez, vas-y, Ken. Fais-lui mal, fais-lui mal, fais-lui mal. Voilà, 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 voilà. Ça sent bon, Ken. C'est un bon Evel, Ken. Le break def, il est pas là. Putain, t'es sérieux? On est obligé de faire ça, je veux pas risquer. Allez, termine. Termine, Ilias. Pas de crit. Mais on a terminé. Punaise. Alors, quand même, affolant. Hein. Affolant le nombre de fois où on aurait pu terminer le combat si Ilias avait dû à l'attaque avec Emelkan. Tu as du bol qu'elle soit pas plus orientée crit. GG. Qui? Ravi? Si elle était orientée crit, on aurait déjà terminé le combat. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle aurait crit mon Ken. Ken, il aurait oblitéré. Mais heureusement que ma Lilias était une Lilias tanky, parce que sinon, on n'aurait pas pu encaisser. Mais attaque ta Lilias plus souvent que ton ML Ken. Ouais, mais bon, c'est normal, parce que elle, c'était Lilias qui attaquait tout le temps. Bah surtout, c'est vrai que t'as raison d'un côté, c'est que si elle avait été plus... Si t'avais été une Tonfa ou Portrait, j'aurais peut-être perdu Lilias dès le début. À cause de l'arnaque qui s'est passée au tout début du match avec le... avec Bazar qui me met, hein, Bazar me met un break def sur un perso fire. Il me renvoie mon taunt, il me met un break def. L'arnaque totale.
Mais on a réussi à gagner, on a terminé cette tour, donc je n'ai pas besoin de faire de rapport, donc ça me va. Hein. Et puis, mine de rien, MLKen, il a fait son café. MLKen, il a fait son taf. Ce qui était cool. Il a fait son taf. Et surtout, ben, heureusement que la Dizzy, elle aurait dû être turbo à mes yeux. Ça aurait dû être un bazar turbo, Dizzy turbo avec Abyssal Crown. Ça aurait été deux fois plus dangereux. À la place, il a fait une counter et... Je pense qu'elle était counter. Hein, parce que... Au vu de la lenteur... Voilà. Sur ce, on l'a terminé. Hein. On l'a fini pour la JVG. On a réussi à faire triple victory. On a... Pas con... Ah si, on a quand même dû abuser de Dark Orvus. Hein. Elle a quand même dû abuser de Dark Orvus. Mais après c'est eux qui le demandent. Hein. Ils font des ex-équipes et tout. Ça dit Dark Orvus, ma face. Hein. Voilà, bon, bref. Hein. Et en même temps, nous ne crachons pas sur les games faciles. Donc voilà. Encore une fois, je tiens à m'excuser au sujet de la lenteur des uploads sur ma chaîne YouTube. Pas mal de trucs à faire. Et le week-end, je l'ai passé vraiment en full repos. Et là, je me sens en pleine forme. Je pète le feu, honnêtement. Je me suis levé, j'étais un nouvel homme. Hein, un homme reformé, résultat des courses. C'est une semaine tranquille au niveau du taf. Et ça va me permettre d'avoir du temps libre pour pouvoir poster des vidéos à gauche et à droite. Et voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander si vous avez une idée de vidéo que vous voulez voir, par exemple des étages de l'abysse, etc. D'ailleurs, on m'avait demandé un abyss MLKen, donc on va voir selon. On va voir demain si on peut faire ça. Et voilà, peut-être qu'on fera d'autres niveaux d'abysse en mode suggestion, quel étage est compliqué et essayer de recommander, faire un genre mini tutoriel sans véritablement trop pousser le bouchon. Voilà, parce que malheureusement, je peux faire un tuto, mais vu que j'ai l'équipement derrière, j'ai un gros équipement par rapport à. Des personnes qui voudraient tacler pour la première fois le combat. Ah, c'est compliqué. Mais bon, je peux sans problème vous conseiller les personnages et tout, qui marcheraient bien. Et ça, on peut le faire. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Appuyez sur la cloche de notification pour savoir quand je lance mes vidéos. Et si vous voulez me suivre ailleurs sur YouTube, Facebook, Twitter et bien entendu Discord, ainsi que mon Twitch, se trouvent dans la description. Voilà. N'oublie pas le petit commentaire hein, aussi pour faire plaisir pour le référencement de YouTube. Et sur ce, ben, j'espère que vous verrez la prochaine. Sur ce, à plus tout le monde. Bye bye. Me suis inversé. Normalement, je clappe des mains et après je dis à plus tout le monde. Je suis perdu.